dans un exercice, il s'agissait de regarder les variations d'un bit par automate, savoir si le bit qui de euh, valeur 0 ou 1 donc, euh, passe de 0 à 1. Dans ce cas-là, on disait que la variation était positive, et quand il passait de 1 à 0, il était négative. Donc on imagine euh, euh, un automate où il y a un premier état alors ça c'était écrit dans le sujet le premier état euh, on pouvait supposer que euh, en sortie on allait fournir euh, le fait que c'est stable 0 et donc ça signifiait que euh, ça signifiait soit qu'il était à 1 il restait à 1 soit il était à 0 il restait à 0 et dans le sujet c'était écrit qu'en fait la valeur précédente qu'on pouvait supposer c'était 0 et la valeur courante c'était aussi, du coup, 0. Ça, c'était l'état initial. Ensuite, c'est toujours délicat, après, de savoir, de toutes ces informations-là, est-ce qu'elles sont suffisantes pour décrire le reste de l'automate, puis comment on va se débrouiller. Euh, par exemple, si on reçoit un nouveau 0 de, 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 de l'entrée, là, qu'on veut regarder, le bit qu'on veut varier, c'est clair qu'on reste dans cette position-là. Donc ça, on peut l'écrire, il n'y a pas de problème. Parce qu'on est à nouveau dans la valeur précédente de l'entrée, ben c'était 0, et la valeur courante, c'est encore 0. Mais si on a un 1 qui arrive, euh, est-ce qu'on reste dans cet état-là ou est-ce qu'on fait un autre état Alors probablement on fait un autre état parce que de toute façon la sortie est différente, la sortie de, de la valeur 1. Et donc je vais essayer de garder toutes les informations qui ont l'air intéressantes, c'est-à-dire le fait que précédemment j'étais dans un 0, la valeur courante, maintenant, ben, ça va être 1 et du coup la sortie ça va être ben, là je suis passé de 0 à 1 plus 1 et à nouveau se pose la question là maintenant si je reçois un 0 si je reçois un 1 euh, est ce que je reste dans cet état là ou est ce que je suis dans un autre état dans un autre état pardon. alors euh, si je reçois un 0 euh, comme je, je l'avais valeur coincé 1 en fait je vais passer d'une sortie à 1 plus 1 à une sortie à moins 1 donc ça ne peut pas être la, le même état donc euh, voilà si du coup, je l'écris. Si je reçois un 0, je vais probablement être dans un état... Alors, je note tout, mais je ne sais pas si ça va suffire ou pas. Pour l'instant, c'est... Donc, la valeur précédente, j'étais dans un état où j'avais 1 qui a été reçu. La valeur courante, maintenant, c'est 0 qui a été reçu. Et en sortie, je vais fournir le fait que je passais donc de 1 à 0, c'est la valeur moins 1. Donc là, j'ai fourni un 0. Euh, si je reçois un 1, est-ce que je reste dans cet état-là En fait, je ne peux pas rester dans cet état-là, état parce que j'étais à 1 et je reçois un 1, donc je vais avoir comme sortie 0. Et c'est pas non plus cet état-là non plus. Ça pourrait être cet état-là, mais ça correspond pas au niveau précédent au courant, sauf si euh, peut-être qu'il y a des choses qui se feraient en euh, optimisant l'automate et en confondant des états. Pour l'instant, je ne suis pas dans cette euh, optique-là, donc je vais plutôt dire, bon ben bah, voilà, si je reçois un 1, j'ai un nouvel état va prendre la, la forme enfin, avec les informations suivantes la valeur précédente c'était déjà un 1 euh, c'était ici la valeur courante ben maintenant c'est un 1 aussi et euh, la sortie elle doit valoir 0 puisqu'on n'a pas bougé donc c'est là où on peut se demander si ces deux états là ils sont pas équivalents c'est bon euh, je regarderai pas la question mais ça c'est une question qu'on pourra demander à ceux qui font des automates plus tard. Pour l'instant, il n'est pas terminé l'automate parce qu'il faut que je me pose la question qu'est-ce qui se passe si ici si j'ai un 0 et un 1 Pareil, si ici si, si, j'ai un 0, si j'ai un 1. Et euh, quand on travaille comme ça, en fait, on ne sait pas si on va arriver à saturation, probablement à saturation, ou se rendre compte qu'on n'avait pas assez d'informations et qu'il fallait encore distinguer des cas différents. Euh, bon, je passe par, par d'ici. Donc, si j'ai ici un 0, en fait, donc, je passe d'un état où les valeurs courantes c'est un 0, j'ai à nouveau un 0. Donc, je vais avoir comme sortie 0, et plus, ça, ça a l'air de ressembler beaucoup à cet état-là. Bon, bah, je vais du coup faire un, une transition vers cet état-là. Ça me semble cohérent. Alors qu'effectivement, la valeur précédente c'est un 0, la valeur courante c'est un 0, et en sortie j'ai 0. Si j'ai un 1 par contre, alors si j'ai un 1, euh, comme je suis passé de la valeur courante à 0 à la valeur 1. Euh, je vais devoir dire que c'est plus 1, et ça ressemble à ça, effectivement. effectivement La valeur précédente, c'est 0, et la valeur courante, ce serait 1. Donc, ben, je vais faire une transition 1 avec ça. Donc, ça serait, du coup, ce, ce bout-là de, de tomate serait terminé. Il ne reste plus qu'à voir si, ici, si on reste où il faut rajouter de nouveaux états. Euh, si je reçois un 0, donc, ben, je passerai de l'état courant 1 à 0, donc je dois passer à, 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 en sortie avec moins 1. Euh, Est-ce que ça ressemble bien à cet état-là ben, Oui, la valeur précédente aurait été 1, et la valeur courante 0, donc cela. Et euh, si je reçois un 1, ben, par contre, ben, je, comme la valeur courante était 1 et que je reçois un nouveau à nouveau 1, euh, ben, je reste sur cet état-là et j'ai en sortie un 0. Voilà, l'automate, je vais répondre au téléphone et puis j'espère que de toute façon c'est terminé comme ça.